cette ambiance, écoutons le son autour du président de la République. Chaque année, on l'observait sous le président Sarkozy, le président Hollande, le président Macron, il y a ce mélange d'applaudissements, quelquefois de contestation. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Emmanuel Macron au terme d'une année qui a été difficile pour lui, avec la contestation, on le disait, autour du débat des retraites, avec cette popularité qui est à 30%, avec ces violences urbaines, cette défiance vis-à-vis de l'autorité, vis-à-vis de la police, un président qui est dans un moment de flottement politiquement parlant, qui a eu recours au 49-3, en tout cas son gouvernement, avec une mise en débat de la légitimité de ce gouvernement d'Elisabeth Borne. Et c'est pas facile, je pense, pour lui d'incarner l'unité nationale aujourd'hui. Oui, effectivement. Et alors, évidemment, on ne peut pas parler à la place du président, mais ce qui est extraordinaire, les 14 juillet, c'est que c'est un peu un moment de grâce. C'est un moment suspendu. Ou de répit. Ou de répit, certainement, parce que... Et pour les responsables politiques, et le président évidemment en tête, il... Ah, est-ce qu'il y a des... On entend des huées, et parmi les applaudissements, il y a... Et puis Pierre, vous le soulignez, ainsi qu'Anne Claire, cela fait très longtemps, 10 ans...
आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। दीदार उनका होता है, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है।